Eh bien bonjour à tous, et cette fois-ci on se retrouve pour le huitième épisode déjà. Et enfin je dis ça à chaque fois, je suis bête d'ailleurs. Et donc huitième épisode, et la surprise dont je vous parlais à la fin du septième, c'est M-Jack, salut M-Jack. Salut. Donc M-Jack, donc comme je vous en avais parlé, c'est un mode, voilà, c'est lui là. Bon t'en bouge pas. C'est le mode entre guillemets coopératif de Fable 3. Donc on peut jouer à deux héros. Donc lui, il aura un personnage comme le mien, mais dans mon monde en fait. Il va pouvoir m'aider et je voulais vous montrer un peu quel est le principe du... Enfin, quoi sert ouais, voilà, le mode coopératif. Et là, toi, comment ça se passe dans ton monde, tu vois, normalement en fait. Comme toi, tu vois, j'ai un D'accord. personnage. D'accord, donc en fait, c'est exactement pareil. Donc là, on va continuer la quête. Et on va aller voir notre ami... Notre ami, je sais plus son nom. Ouais, Rivers, mais la fille, comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus. Donc, ouais. Donc toi, t'as fini le jeu, toi aussi, c'est ça? D'accord, donc toi, ça va, tu connais quand même pas mal le jeu. Merci pour tes conseils, encore Pas une à fois. merveille. Je t'en prie, ça faisait C'était plaisir. vraiment Je tiens à la gentil. couleur de vos yeux. Vous êtes beau. Donc, entrer dans le manoir de Rivers. Allons-y. Alors, là, comme je l'avais déjà dit, toi, tu vas pouvoir m'aider à attaquer des ennemis, à me donner de l'argent. Oui, tu pourras me passer un peu d'argent pour que je montre un peu rapidement comment on fait pour acheter des maisons, car je n'ai pas du tout d'argent. Ok. Ce serait cool que tu m'en donnes un peu. Ok, c'est gentil. Et on va montrer aux gens comment on fait pour acheter des maisons. Enfin, ils en sont. Enfin, je pense que vous en êtes douté. Et je voulais expliquer rapidement. Mais là, on va C'est le un peu faire de façon tard. concrète. Vous avez manqué la moitié des rituels et toute la boisson. Il ne reste plus que Donc, vous et le moi. manoir de Oui. Rivers. Toutes nos excuses. Donc voilà, Oh oui. M-Jack Ce n'est pas grave. Donnez-moi le mot is de passe et on here. ouvre Donc, la je boutique. pense que le Quoi? maximum Le mot de de personnes en passe? mode Mais coopératif, non, c'est voyons, je 2. vous fais Je marcher. sais pas si on peut être Entrez. plus. Non. Ouais, donc c'est 2, tu as raison. Maître Rivers va être Et par ravi de contre, il y a voir un que vous mode êtes avec enfin des venu à la orbes. cérémonie finale. Là, Enfin, c'est le le bon mode sauvage, ne plaisantez pas. vraiment multijoueur de Fable 3. Voulez-vous Par rester contre, le avec mode moi de tant que Orbe, je c'est un peu m'accroche à comme mon le même ancien principe cœur? que de Fable 2, je me répète encore une Non, fois. je ne crois pas Mais trop. Mais je vais toucher à ce truc ils ont passé. repris le mode. En fait, le Voyons, but, si enfin, vous vous on est dans sentez notre bien, monde et on voit vous aurez une des belle petites orgie plus boules tard. se déplacer sur notre trajet, Mais enfin, dans faisons-nous tout un l'Albion. grand Et en fait, ce rituel. sont de vrais personnages, mais ils ne sont pas Bien dessinés sûr, bien sûr. Vous allez devoir comme eux, en fait. excuser Vous voyez, enfin, mademoiselle. je Il sais me pas. reste Enfin, parfois de tu pourrais temps à tuer expliquer un pour peu les comment. formalités. Mais Maître Rivers a toujours utilisé son fouet pour mobiliser M-Jack, ouais, votre explique un peu, curiosité. j'ai du mal à expliquer le principe des orbes. Bon, il y a Enfin. Napoléon et puis il y a les orbes de Rivers qui s'entourent avec leur image de Gamer Tag. Mais je n'ai pas d'orbes. C'est par ici. Ah ouais, Vous ah allez oui, trouver exact, c'est l'image leurs de cette images de fille Gamer qui Tag. vous Et en parle. fait, ils sont malades, mais Ils on peut sont pas, partout on peut autour juste de vous. interagir avec eux, leur offrir Absolument. des cadeaux et Oh tout. oui, il y a des Donc voilà, rituels ça c'était spécifiques. un. Dans Maître Rivers, je refuse Dans mon monde, catégoriquement qu'on apporte des armes dans la salle de bain. Par exemple, il y a eu quelques accidents. Ah oui, Mais donc cette par exemple, si fille, toi là à tu part moi, tues mais mes qui est habitants, celui qu'on prête leur bagage, il part je suis vraiment mort, ici même pour si je dois prendre retrouver mon des sort. amis. Oh, c'est donc vous, les courageux Prêcheur sur et gage, fidèles oui, c'est rebelles. un commerçant, non, c'est un Et voilà, acheteur, c'est je ça? suis moi-même un prolétaire opprimé, vous savez. D'accord. On est vraiment fait pour se Ok. comprendre. Donc c'est celui qui rachète nos Franchissez objets, c'est cette ça? porte, vous Les devriez objets qu'on voir si trouve par vous exemple dans les coffres discrètement et la tout et tout, faites c'est ça? et portez secours à vos amis révolutionnaires. D'accord, merci de ton explication. Donc là, je sais pas ce qu'elle fait, dame Renard. Enfin, peut-être qu'il se bouge. Notre joueur vous attend. J'arrive, j'arrive. Ah, c'est bon, ça commence. C'est parti. Oula, ça a pas l'air Vite, d'être Jack, comment vas-tu? Sortez d'ici, vite! Où sont les autres? Ils sont tous morts, une danse et de vous la savez joie. bien rire. Oula, c'est Je vous génial. attendais. Quoi? Ah, la manette Je vais vibre. éliminer. Mais La qu'est-ce qu'on cage vous monte et offre, celle-là a là? l'air d'être la De merde. nouvelles petites abeilles? Rivers! Ouais. Ah, notre ami Ouais. Rivers. Quelle Ah. diligence! Quelle abnégation! Mais ouais. Sérieusement, vous n'en avez pas marre? Quand est-ce que vous commencerez enfin à profiter de la Ouais, vie? Vous j'ai avez l'impression profité qu'il va sans nous avoir mouru. défier. Ah, eh bien, Qu'il va nous faire Pépère, encore tu un fais plan preuve foireux d'un comme il sait grand très bien les courage. faire. Une On va vraie essayer de passer la scène. Car je doute que La ça vous roue de intéresse et vous l'importune. voulez C'est très plus voir simple. du sang et des boyaux. Je commence par tourner la roue, puis vous La roue de mourrez. l'infortune, c'est Quand très vous simple. Je commence par reviendrez, tourner la roue, puis vous mourrez vraiment, pendant que c'est nous encore regardons. plus Vraiment, amusant. ça, on ne peut plus amusant. Ah bah voilà, un gros sadique. Comme d'habitude. Alors le principe de cette roue, je sais pas s'il va l'expliquer. Oh, je vois. En gros, Un voilà, il y a homme une sera roue. les créatures les plus
avec plusieurs items, et en fonction de là où tombe l'aiguille, on a affaire à une salle où on doit se battre avec le monstre qu'il y a indiqué dans cet item en fait. Ouais. Donc là, c'est la salle des hobs. Ouais, des hobs. Il y a un petit coffre. Ouais, je vais prendre ce qu'il y a dans le coffre. On va voir ce qu'il nous faut. J'espère que c'est des potions de santé. Et potion de santé, parfait. That's so perfect. Voilà, donc là, de la 2, on va voir que c'est vraiment beaucoup plus simple. Surtout que, comme M-Jack a terminé le jeu, il a donc du coup tous les sorts à 100%, les meilleurs sorts, les meilleures armes, etc., etc. Donc lui, il va vraiment avoir énormément de facilité à attaquer. Bah attends, mets-toi de ce côté, moi je me mets de ce côté. Il va avoir énormément de facilité à attaquer les ennemis et à leur mettre des coups fatals. Donc moi, ce qui va me faciliter le jeu. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire si vous voulez un peu de difficulté, d'aventure, de péripéties, etc. Vous pouvez largement faire la campagne en solitaire. Mais si vous voulez un peu plus de facilité, de l'aide et de la compagnie, vous pouvez là appeler des joueurs. Voilà, vous aider. Comment? Ouais, c'est quand même plus agréable. On a quelqu'un avec qui jouer. On peut faire des choses. On peut interagir entre les deux personnages. C'est quand même beaucoup plus cool. Voilà, on peut dire ça. Survivre. Voilà, la quête de la mission, c'est survivre. Donc si je crève, bah, j'ai perdu. Ce serait dommage. Et Reverse, on ne sera. On ne peut plus content, voilà. On nous sentirait presque désolé pour ces répugnantes bêtes, mais là. Voilà, donc. On a gagné. Reverse doit être vraiment sous le choc. Et la roue, enfin la. La. Comment ça s'appelle? Ouais, la roue de l'infortune continue. Encore tourner. Là, je pense qu'on va faire toutes les salles, donc ce qui va être assez. Pas long, mais. Comment? Ah, je ne sais pas. Mais là, il a l'air quand même d'avoir pas mal de salles. On va voir ce que ça donne. Là, on va tomber sur. Ouais, il y a quoi? Il y a les hommes creux. Mais ouais, je vois pas tout là. J'arrive pas à savoir à identifier les items. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'aperçois apparemment un autre coffre. On va tout de suite s'empresser de savoir ce qu'il y a là-dedans. Inspecter. Là, ça a l'air les hommes creux. Alors, les hommes creux, on va se faire quand même plaisir sur potion de ralentissement. Donc, là, on va quand même se faire plaisir sur leur faiblesse. Car c'est vraiment très simple à abattre un homme creux, vous avez pu le remarquer. Bon, je m'occupe de la partie droite. Tu t'occupes de la partie. Ouais, vu l'étendue de ton sort, toi, t'as de la marge, on peut dire. Voilà, je vais m'occuper de ce petit coin ridicule qui m'intéresse fortement. Voilà. Donc, autre avantage, vous pouvez vous organiser pour atteindre le maximum d'ennemis de façon qu'ils ne vous touchent jamais et que vous soyez le plus fort possible. C'est l'avantage du mode coopération. Bien évidemment. Donc là, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés à gagner toutes ces salles. Même si le niveau va augmenter, je suppose, au fil des salles, mais vu qu'on est deux et que toi tu es quand même beaucoup plus fort. Comment? Ouais, donc je pense que ça sera quand même assez aisé. Non, pas aisé, c'est aisé. Voilà. Donc là, un problème de l'IA, là la fille pourrait taper pendant des heures sans qu'il ne se passe absolument rien. Et ça, je trouve ça vraiment désolant, c'est dans plein de jeux vidéo et j'ai hâte que les développeurs comprennent que ce soit moi ou la fille qui tape, c'est un personnage comme les autres et l'homme creux a la même santé. Si vous voyez de quoi je parle, pour les amateurs de Call of Duty au passage, ils me comprendront largement. Voilà. Petite parenthèse complètement inutile. Ça n'a rien à voir avec notre jeu, on va continuer sur ce beau jeu qui est Fable 3. Oh ma roue, que ta circonférence exquise nous régale une nouvelle fois de délicieux frissons. Ça fait un peu maison close quand même. Un peu, ouais, un peu beaucoup quand même.
C'est pas très. Ça m'a pas l'air d'être très catholique ce qu'ils font dedans. Mais bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que ceux qui vont regarder cette vidéo vont bien t'entendre. J'ai essayé de faire des réglages à peu près corrects. Reste calme. Alors là c'est quoi ces oiseaux là qui nous ont présenté? Les mercenaires. Ah là ça va être plus compliqué déjà, là c'est un niveau élevé. Potion d'invocation. Ok, donc tu vas t'occuper d'une partie, comme d'habitude je vais m'occuper de l'autre. Et on va pouvoir en finir avec ces bandes d'abrutis de mercenaires qui ne sont pas foutus de donner un coup d'épée. Ok, pas à droite, à gauche. À droite. Ouais, reste là, bouge pas. Surtout que là les points se font assez rapidement. Va, décale-toi à droite. Vers le bosquet de fleurs. Je m'occupe de cette partie. Je gère totalement la situation. Voilà. T'es bien là. Les pauvres, ils n'ont pas le temps de réagir et ils sont bien tués. C'est inadmissible. Voilà. Oula, fais gaffe. Il m'a l'air d'avoir. Ouais, le gros soldat là. Celui qui envoie des grenades et tout, tout. Occupe-toi de lui. Ah, bah c'est bon, il est mort. Ah, ça c'est bien, ça. C'est une bonne. Merci. Parce que lui, il est vraiment costaud et. Il est un peu balourd à éliminer. Voilà, bon, le reste, ça va aller. Ah, il y en a un autre. Acharne-toi sur lui. Envoie des sortes visées de précision, je sais pas comment on dit. Voilà. Ça c'est fait. Et mes sauts de guild augmentent à l'appel. Ça c'est génial. C'est génial. C'est pratique. J'ai vu beaucoup de choses terribles dans ma vie. Retournez dans la chambre principale. Quelle idée Paige nous a eu de nous envoyer dans cette balle masquée. Tu sais toi pourquoi, je m'en souviens plus, pourquoi on a décidé de nous envoyer dans ce bal masqué. Faut pas le rapport avec la mission, enfin, Rivers et tout. Non, on va le tuer, Rivers. Enfin, ne me dis pas tout, ne me dis rien. D'accord, merci. Ne me dis rien, voilà, on sait tout. T'as bien spoil, ouais, mais je m'en souviens plus. Ah non. Ah là c'est. Oh non, je n'aime pas ces petites bêtes. Elles sont horribles. C'est des vrais ninjas des sables. Ah ça je m'en souviens par contre. Ça je m'en souviens. C'est horrible. Horrible. La preuve, il nous donne une potion de santé, ça veut tout dire. Ah non, je les déteste. Il y a une topaze. Ah ouais, mais je pense qu'il doit te donner aussi quelque chose quand j'ai ouvert le coffre. Ouais. Ah t'es heureux. Ah bah moi j'ai gagné. Une potion de santé. C'est déjà ma deuxième. Voilà, furie du désert. C'est horrible ces bêtes. Je les déteste. Non, tu mets-toi à l'entrée. Moi je me mets dans l'endroit le plus éloigné. Et voilà, elle s'acharne sur la fille. Enfin ils ont compris. Merci. Oh, du spawn kill. Ouh, ceux qui se sont pris. Oh, j'aurais pas beaucoup apprécié. Ouh là, c'était violent. Viol à marmée. Regardez, ils réapparaissent, je les détruis. Oh, c'est génial. J'adore. Parfait. Eh ben, en fait, à deux, c'est quand même un peu plus pratique. Parce que la dernière fois, j'avais fait ça en solo. Et vraiment, je me souviens, j'avais galéré. Mais bon. Ça, c'est fait. Il en reste une, là, de salle ou pas? Je ne sais plus. Les loups. Les Balverines. Attends, ne dis pas tout. Mais je dis juste. Balverine. On va expliquer ce que c'est après. J'ai une petite idée. Non, mais ne dis rien. On va découvrir ça. Maintenant, si je me souviens bien. Ah oui, attends. Attends, on va laisser.
Inutile de vous agiter, trésor. Barilla quoi est là pour s'occuper de vous. Tailliez-vous d'une petite jig. Hein. Tu es méchant. Regarde, attends, laisse profiter de cette cinématique. Oh, vous êtes coriace, c'est ça. Oula. C'est horrible. C'est dégueulasse. River, à l'aide. Charmant, très très classe. C'est très. Faut pas être cardiaque dans ce jeu. Faut pas être susceptible parce que là. Ouais. Parce que là, tu vois ça. Non, certain. Pas être comme. Non, pas susceptible. Tu ah, tu m'embêtes. Sensible, voilà. Sensible, exact. Ah, il est tard. Et... Aide-moi plutôt de dire des bêtises. Non, mais tu viens à l'heure canadienne, toi, non? Si, c'est ça, un truc dans le genre. Fais gaffe, fais gaffe. Lâche ton sort. Voilà. Enfin, je t'aide parce que tu m'as l'air d'être un peu sous pression. Voilà, donc l'avantage, là, les balvérines, je me souviens, c'est une vraie plaie, encore une fois, cette chose. Cette bête immonde qui saute en l'air, qui vous apparaît derrière vous. Ouais, c'est une sorte de loup-garou de fable. Et c'est une bête qui a pour particularité de sauter extrêmement haut, elle sort de l'écran et vous arrive derrière, vous donne des coups de griffes un peu comme j'ai pas d'exemple, mais elle vous griffe et vous empêche de faire n'importe quel coup en fait. Passage magnifique qui est fait. Voilà, je me souviens dans le 2 elles étaient extrêmement simples à éliminer, mais là dans le 3 je sais pas, ils les ont améliorées d'une façon énorme. Et en fait comment dire, là, quand elle nous attaque, on ne peut absolument plus rien faire. On est touché, et puis c'est tout. On n'a plus qu'à nous regarder mourir, et puis voilà, basta. Et ça, je me souviens, mais c'était inadmissible. Complètement, c'est illégal. Oh. Pardon. Là, que devons-nous faire? Ouais, je m'en souviens plus du tout là. Non, non, ne dis rien, on va découvrir l'histoire ensemble. Ce sera autrement plus intéressant. Enfin, je l'espère. Si la console le veut bien. Du moins. Là, les affiches ont changé, ça voit, enfin, on voit que c'est pas du tout. Ouais, elles évoluent vachement quand même. C'est quand même assez bien fait. Il y en a quand même une diversité impressionnante. Et là, on voit que les affiches veulent dire quelque chose. Ouais. Attendez, petite cinématique magnifique. Minefield, découverte de Minefield, découverte officielle de Minefield. Mais vous n'êtes pas comme votre frère. Et c'est quand même un bel endroit de la carte. Ça me fait penser rapidement à la région de Bower dans le 2. Qu'est-ce qu'on dit, non? C'est lac de Bower, d'accord. Ouais, donc c'est ça, je me suis pas trompé. Et c'est quand même... ouais, c'est une des plus belles régions de la carte, je pense, si je me souviens, enfin, à mon goût. Plus belle des régions avec Brightwall. Promesse, une nouvelle promesse, parfait. Ça nous en fait une de plus, la promesse de Brightwall. Je promets à la présence de Bowerstone. Ouais, Bowerstone, bref, je dis n'importe quoi. Bowerstone, exact. Et maintenant, rentrons. On doit fomenter une révolution. Donc là, on s'approche de plus en plus de la révolution. Ah non, là, il manque encore quelque chose. Je ne sais plus. Ouais. Je crois qu'il manque encore une ou deux villes. Et on va voir c'est quoi. Mais là, de toute façon, ce sera pas pour cet épisode, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Et on va voir ce que ça donne. Allez. Pardon.
Excuse-moi. Route vers le pouvoir. 218 Soul Guild. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. On va pouvoir acheter plein de nouvelles améliorations. Et ça va être cool. Teresa. Voilà, mais il te reste beaucoup à faire. Merci, Teresa, de m'encourager. Ah, vous voyez que là, je vous avais parlé des petits personnages qui se mettaient là pour dire comme une coopération. Il y a M-Jack, là, qui socle cops, voilà, c'est écrit. Là, c'est M-Jack qui est présenté sur le deuxième socle avec la population, mais lui en statut. Voilà. Donc, c'est inutile, hein, comme d'habitude. Et pack d'expression effrayante, non, j'en ai rien à faire. Et là, il m'a dit que toi, tu as déjà ouvert ce coffre, mais pas moi. Alors, je vais acheter magie et portée. Étant donné que mêlée coûte... ouais, ça coûte trop cher. Je vais acheter magie. Et portée, ouais, ça sera bien. Ça suffira amplement. Est-ce que ce serait possible que tu me donnes un peu d'argent? Que je montre déjà comment on reçoit les cadeaux. Et comment... On achète des maisons, je vais vous montrer dans cet épisode. Tu vas m'aider à expliquer comment on fait pour... Attends, il me fait mon délire de cinématique là. Voilà, j'ai amélioré mes armes et ma portée. Et pff, mon sort et mes armes de volée, voilà. Donc attends, je sais pas s'il va commencer directement une nouvelle quête ou il va nous laisser... J'ai un peu de temps, c'est parfait. That's too perfect. Oui. Ouais, donc là on va pas aller au prochain loot quest justement. On va expliquer ceci dans cet épisode. Brightwall, là où il y a la librairie, si je me souviens bien. Ok. Ouais. Donc ouais. Donc tu vas me donner combien à peu près de 1 million, ça suffit? Ça suffira largement. Bah non, c'est... ouais, non, je sais pas. C'est le maximum de toute façon que tu peux me donner en un coup. Ouais. Bah vas-y, file-moi 1 million, on va expliquer rapidement, on va acheter les... Attends, Ah, il va avoir un discours du roi. C'est pas un bon présent. Ouais, ne... Vas-y, donne-moi d'argent, on va acheter quelques loyers. Et quelques commerces. Attends, déjà, on va aller à Brightwall. On va se téléporter... bah non, bien sûr. On va se téléporter à Brightwall et on va... Village de Brightwall, ok. Et on va pouvoir expliquer de deux manières différentes quel est... le moyen de l'acheter des maisons et des commerces. Ça va être bien. En attendant, je vais faire ça. Je suis d'accord, c'est un peu, ouais, c'est un peu le problème de Fable. Attendez, bah, en même temps, vu la qualité, enfin la grandeur de la map et la qualité des graphismes, je me doute, je me dis il y a quand même un temps de chargement minimum pour avoir une telle qualité d'image, quoi. Je suis d'accord, c'est vrai, il y a quand même une petite légère différence. Mais bon, on ne peut pas non plus tout avoir tout le temps. Attendez, moi je suis en train de faire autre chose. En attendant, ouais là quand même c'est un peu long. Non, c'est bon. Mais pourquoi il ne veut pas hein? Ah mais d'accord, je suis un peu bête. Attendez, excusez-moi, je fais juste un truc. Voilà. Alors, donc voilà, alors passe-moi un peu d'argent. Alors, il suffit qu'on se colle et que M-Jack là va cliquer sur cadeau avec la touche LB.
Ouais, passe-moi de l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, les expressions. Le pack d'expressions. Donc là, on peut faire des expressions. Là, c'est trois petits chats, c'est ça? Ouais, donc on. Donc voilà, il y a les expressions qu'on peut faire en coopération, que vous pouvez faire avec les habitants là à côté. Enfin, les habitants normaux. Et ces expressions vous permettront d'être plus enfin aimé ou pas si vous faites des expressions méchantes. Non mais arrête, passe-moi des sous et en fait ils pourront vous ils pourront enfin vous allez être plus aimé ou moins aimé en fonction de vos expressions mais le mieux est de faire des bonnes expressions et le peuple vous aimera. Le peuple, enfin le peuple, ce sera la personne à qui vous avez fait l'expression, elle vous aimera. Voilà, si vous, enfin, vous m'avez compris quoi. C'est 100 000 par 100 000. Ah bah passe-moi 100 000 alors, c'est pas grave. C'est juste histoire d'acheter un ou deux bâtiments et expliquer. Ouais, passe-moi 100 000, ça suffira largement. J'ai rien eu là. Ah, si, cadeau. Alors, là, donc là le jeu m'a affiché que j'ai eu un cadeau. Et je vais aller au sanctuaire voir que j'ai eu un cadeau. Donc là, 100 000 pièces d'or de M-Jack. Merci. Et encore 100 000 euros de M-Jack. Ce qui me fait 200 000 euros. Je dis n'importe quoi. 200 000 pièces d'or. Donc là, on va voir la première manière d'acheter un bâtiment. La manière officielle, enfin officielle. Normal entre guillemets. Je vais acheter donc un commerce. Un commerce là vous voyez qui s'appelle aux épées de Brightwall. Et attendez, on a combien de minutes de jeu? Faut faire attention au temps, 26 minutes, c'est bon. Donc là, le magasin coûte 61 078 pièces d'or. Et on va l'acheter. Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de d'état de la maison. Donc on va gagner un certain prix. Et ce prix va être, les bénéfices vont être de 1832 pièces d'or toutes les 5 minutes, comme l'écrit le jeu en haut. Donc là, on a le choix entre vendre le magasin. Donc là, toutes les 5 minutes, je vais gagner 1800 pièces d'or sans rien faire, absolument sans rien faire. Mais si je veux gagner plus d'argent, je peux ajuster les prix et avoir le minimum de prix, donc gagner aucune pièce d'or, gagner peu de pièces d'or, donc avec basse, 916, normal, 1800. 2700 ou 3600 pour le maximum. Mais attention, le plus. Voilà. Rappelez-vous que vos prix affecteront l'opinion des gens que les gens ont de vous. Donc là, si je mets maximum, les gens vont moins m'aimer. Mais moi, je vais gagner plus d'argent. Donc là, je vais faire ça en attendant d'être. Non. Je vais être normal en attendant d'être roi. Une fois que je serai roi. Car mince, je vous ai spoil. Je vous ai tout spoilé le jeu. Je suis charnel. Donc, bref, je vais pas augmenter les prix maintenant, mais je vais les laisser normaux pour l'instant. Donc, la deuxième manière d'acheter les bâtiments, c'est cette manière que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, voilà, maintenant on voit propriétaire Ziggle avec toutes les informations sur le bâtiment. Maintenant, si je vais acheter une maison normale entre guillemets, on va voir, on va cliquer là. Donc Alex, homme au foyer, prix de la maison 3000 pièces d'or, état de la maison 39%. Donc là je vais la sélectionner. Je peux faire acheter, emménager. Emménager, ça veut dire que ce sera ma maison, personne ne sera dedans et je ne vais faire aucun bénéfice sur la maison. Ou acheter et louer à un habitant d'Albion, ce qui va me permettre de toucher des bénéfices. Donc là je vais l'acheter et la louer. Le problème c'est que là le loyer est de 160 pièces d'or. Étant donné que l'état de la maison n'est que de 39%, donc ce que je vais faire, c'est je vais réparer la maison, et ce qui va me coûter 606 pièces d'or, et la maison va être de 100%, et le loyer, toujours le même, ce qui est bizarre. Attendez, c'est quoi ces conneries? C'est pas grave. Et là, par contre. Comment? Ouais, donc là, je vais mettre à.
Ouais, élevé, étant donné que c'est un habitant pas forcément utile. Donc là, c'est ce qui va me permettre de gagner 241 pièces d'or toutes les 5 minutes, rajoutées aux je ne sais plus combien et quelques pièces d'or de mon magasin. Par contre, je vous conseille d'acheter plus de magasins. Ils sont plus chers à l'achat, mais vous feront de plus grands bénéfices plus tard. Enfin, au fur et à mesure que vous jouez. Par contre, pour gagner des sous, il faut jouer. Dans Fable 2, pour faire encore une petite allusion, vous n'avez pas assez de pièces d'or pour ce bâtiment. Voilà, ce bâtiment est très cher, étant donné que c'est un commerce. Bon, je disais que dans Fable 2, le prix de vos, enfin, vous gagnez des sous en fonction de l'heure de votre console. Et plus là, plus vous jouez, plus vous gagnez de l'argent. Donc vous êtes obligé de jouer pour gagner de l'argent. C'est un point positif et négatif, mais bon. C'est aussi un peu plus réaliste, c'est vrai. Donc on va acheter pas mal de magasins pour se faire un maximum de pièces d'or. Et vous verrez qu'on va gagner des pièces d'or sans rien faire, juste en jouant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc là on arrive dans les 30 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là. Où es-tu, Jack? Voilà, tu es là. Oui. Non. Ouais, donc voilà, c'est quelque chose encore. Voilà, attendez, vous avez vu, là j'ai gagné 6000 pièces d'or sans rien faire. Donc là, c'est ma cagnotte personnelle qui va être affectée. Donc là, voilà, je gagne des sous sans rien faire. Donc ça, c'est génial. Et on va pouvoir acheter un maximum de maisons et gagner toujours plus d'argent. Au fur et à mesure. Voilà, donc là 30 minutes, 31 minutes de vidéo déjà. Donc j'espère que la partie, enfin cette vidéo avec M-Jack vous aura plu. Où es-tu parti, M-Jack? Loin là-bas, c'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura plu. J'accepte, enfin j'arrête la vidéo ici. On se retrouvera pour le 8e ou 9e épisode de la série. Je ne sais plus. Et j'espère que ça vous a plu. Bye tout le monde.